Martinique, elle croquait la vie à pleines dents. Floriane Crispin a tiré sa révérence à l'âge de 28 ans. Un coup dur pour sa mère et sa famille et ses grands-parents. Chauffeur de bus, passionné de moto, Floriane a perdu la vie sur la route du Vaucluse, alors qu'elle connaissait les dangers de la route. Elle laisse ses deux enfants de 11 et de 6 ans et sa famille dans une grande douleur. Un départ brutal pour sa mère et ses grands-parents, Marcel et Anne-Marie Éloi Crispin. À 28 ans, elle était tôt pour sa mère et ses grands-parents. Une fois de plus, le monde de la moto est en deuil et complètement effondré en apprenant la triste nouvelle de l'accident. Fioran faisait régulièrement des balades à moto avec son club, à la découverte de son pays qu'elle a retrouvé après sa naissance en Guyane. Cependant, n'oublions pas que la route n'est pas un terrain de jeu. Les obsèques de Fioran Crispin, 28 ans, auront lieu le mardi 4 avril à 16 h en l'église paroissiale du Morne-des-Esses. La veillée se tiendra au salon de recueillement à Sainte-Marie ce lundi 3 avril de 18 h à 21 h. Avec la présence d'une forte délégation de motards et de motards, 100% Sport et KMT Télévision et DD News souhaitent à toute la famille ses sincères condoléances. Bon voyage, l'ami.